C'est à tous, c'est tout quoi, c'est mon d'avori, mon d'yamanguru. Bon, simplement aujourd'hui, on va aller demander du coup aux gens, c'est quoi le truc le plus fou qu'ils ont fait en soirée? Entre nous, on va voir des dingueries. C'est parti. Question, c'est quoi, dis-moi, le truc le plus fou que t'as fait en général ou en soirée? Le truc le plus fou que tu as fait là? Alors, ouais, j'étais complètement déchiré. Ouais. J'espère que maman et papa ne verront pas cette vidéo si vous voyez. Regardez pas. Oui. J'étais un peu déchiré, je vais pas vous le cacher, d'accord? Ouais. Ok. J'ai carrément. Embrasser un gars, mais je suis complètement hétéro, d'accord? Tu as embrassé un gars? Ah, la chatte, d'accord? Tu as embrassé un gars? J'ai pas fait exprès! C'était ton pote ou un inconnu? Ah, c'était un pote, wow, wow, wow! Ok, et vous êtes roulé des pelles carrément ou... Ah non, en fait, je m'en souviens plus trop. Faut demander à lui. C'est quoi? C'est toi? Non mais... J'étais tellement bourré, ouais, que j'ai pris les chaussures de la daronne d'une de mes potes. Oula. Et j'ai vomi dedans. Wesh, ah, c'est abusé. T'as vomi dedans? C'est abusé, t'as vraiment fait ça? Et du coup la daronne, elle t'a giflé ou c'était comment la daronne? Bah la daronne elle est revenue hier, elle a mis ses pieds dedans mais elle savait pas du coup. Oh, elle a dit ah c'est chaud, c'est chaud. Donc toi tu es un abonné aussi? Ouais, je suis un abonné. Louis Vuitton. Ouais, ça se voit direct. Louis Vuitton, ouais. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Louis Vuitton, Vuitton, ok. Ah ça je sais pas, j'ai fait trop de trucs. Bah raconte genre 2-3 trucs qui sont marrants, tu vois, qui sont vraiment ouf. Vas-y. Non, là, je sais pas. Ou un truc même, on va dire qu'en général, dans la journée, si tu veux un truc de malade, ou même un truc qui s'est passé qui est vraiment ouf, tu vois. Une pote chelou. Non, ça me vient pas. Une pote chelou, un pote chelou, un mec chelou, ah, par exemple. Tout à l'heure, j'ai vu un mec. Oui. Il a dit j'avais un enfant de lui et tout. Ah, il m'a dit j'avais un enfant de lui. Mais attends, mais c'est non, un mec que tu connais? Non, il m'a accosté. Il m'a dit j'avais un enfant de lui. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah non. Ok. Non, non. En gros, je pense qu'il veut te draguer, mais en disant ça. Non, mais oui. Mais wow, c'est chaud, un enfant de toi, ouais. Non, c'est pas vrai. C'était à sa soirée. T'as vu ou pas qui embrassait un mec? Non, j'ai embrassé Adrien. Ça me fait super peur. Adrien. Adrien. Ah, ça va être répété. Putain, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Je suis hétéro. Parce que non, mais c'est pas parce que quand on est bourré, on montre sa vraie nature. Mon gars, t'as monté la bonne nature, hein. Il fait chaud. Waouh. Putain, je sais pas si vous aussi vous aimez le McFlurry caramel. Genre de sujet pas mal. Waouh. Toujours pas mal, hein, toujours. Et toi, du coup, c'est quoi ton truc le plus fou que t'as fait en soirée? Tiens, dis-nous. J'ai cassé une porte. Ouais. Oula, de chez toi? Ouais, chez moi. Ouais, il y avait une meuf, elle était en train de pleurer dedans, mais elle s'était enfermée. Elle dit, ah, sortez-moi. Et puis bah. C'est dans les chiottes, c'est dans les chiottes. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Bah, ça fait un an qu'elle est cassée, hein. Et vraiment? Ah merde, ok. Et bah du coup, j'ai enfoncé la porte. Ok. Gros coup de pied dedans. Hein. Nous, on enfonce que des meufs. On enfonce ouais, que des meufs, tu connais. Toi, c'est pas vrai, toi. Hein. Ouais, des gars, lui. Ouais, toi, des gars. Hein. Des gars. Hein. Dis la vérité. je dis toujours la vérité, d'accord? Ouais. Il y a un truc, faut que tu saches, je suis hétéro, d'accord? Ouais. Je suis pris, j'ai une meuf, d'accord? Ouais. Non, t'as mytho. Attention. Si. Ah bah voilà. Ah le plus fou. Ah voilà. J'étais dans une voiture. Oui, voilà. Il y a 3 jours. Oui. Oui. Voilà, j'étais dans la voiture, oui. Et la vitre était cassée. Oui. Et je suis rentré dedans parce qu'il faisait froid. Oui. Et j'ai raté mon RER. Attends. Et vous les, avez les flics, oui. Les flics, ils sont arrivés, j'ai fait 4. Oui. Boum, ils ont pas cherché. Ils ont dit ah tiens, ils s'avaient mis dans leur tête, je sais pas. Ils m'ont gardé 2 jours en garde à vue. Ah. Et bah, voilà. Attends, madame, vous êtes rentré dans une voiture qui est pas la vôtre. Mais oui. Madame, mais ouais, mais bon. Je sais pas, t'as fait un truc de ouf. Plus fou, je suis rentré avec deux meufs chez moi et puis voilà quoi. Deux lesbiennes. Oh, voilà. Raconte un peu le déroulement. Le déroulement. Bon, dans les détails, on va pas raconter tout. C'était quoi, en soirée appart ou soirée boîte ou... Soirée appart. Appart, ok. Il y avait deux lesbiennes. Et tu t'es mélangé dans les deux miaou quoi. Ouais, non, non. Ah non, t'as rien fait du coup avec les deux. Ah si, si, bien ah, ok, sûr, t'as fait quoi du coup? On s'est pas mélangé dans les deux, mais on peut pas les deux quoi. Bah, on va dire que normalement. Si on est pas deux quoi. C'est de ouf, ouais. Je suis jamais parti en soirée donc. Bah, on va dire en journée, je sais pas, avec des potes ou le truc le plus de ouf, tu vois. Franchement, j'en ai aucune idée là. Vraiment rien du tout? Non, là, franchement, j'en ai aucune idée. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait en soirée? Mon Instagram, c'est LMS officiel. Allez me follow, merci. Un truc de dingue. Tu seras freestyle. En soirée? Moi j'ai les gars, deux secondes, je rigole. Il force, hein? Wesh. LMS officiel sur Insta. Tu seras freestyle. Et merci. Attends. Oh. Hugo, tu sais faire ça, mon gars? Ah, c'est propre, hein, ce qu'il fait, hein? C'est propre, ce qu'il fait, hein? Allez. J'ai tapé dans une vitre. Hein? Et pourquoi t'as fait ça, toi? J'étais petite, j'étais énervée et j'ai tapé dans une vitre. Parce qu'il y avait mon cousin, il m'énervait donc c'était obligé de taper dans une vitre. Bah soit genre tu tapes le cousin, pourquoi la vitre? En fait, il était derrière la vitre donc du coup. Ah, ok, t'avais plat. Ouais.
Et tu t'es blessé à la main, forcément. Oui. Ah, il est chaud, hein. Bah, coup d'un soir. Hein? Coup d'un soir. Comment ça? J'ai pas entendu. J'ai coup d'un soir. À coup d'un soir, mais raconte, genre, un peu l'histoire, c'est quoi, là? Comment t'as rencontré la meuf? Qu'est-ce qui s'est passé? La go, là, elle était derrière moi. Ouais. Voilà. Derrière toi? En fait, genre, elle dansait devant moi. Ah, ok, tout ça. Ok, ok. Voilà, je l'ai dit, j'aimais bien comment elle dansait, ça la dérange pas qu'on va parler dehors. Ouais. Et elle est un peu fonce D, je dis bah. C'est bien, c'est quoi ces fonce D, hein? Ouais, j'ai dit, ça dit quoi, je vois, t'es dans le move, ouais, tout dans ça. Le... Ça dit quoi ce soir, t'es venu avec qui? Elle m'a dit, elle est venue en solo. Bah, je dis, bah, franchement, je te mens pas que voilà, t'es ma style et ouais. J'ai envie de coquer, tu vois. Ouais. Après, elle m'a dit, ok, voilà, je trouve mignon, pourquoi pas. Ouais. Voilà, on s'est parlé, j'ai entendu, je l'ai ramené dans la voiture et voilà, j'ai terminé. Terminé ça, bien. Après, elle me dit elle a envie, après je l'ai ramené encore chez WAM. Voilà. c'est un mytho. Est-ce qu'il y a une meuf? C'est un mytho. C'est un gros mytho. Attends, Serine, si tu vois ça, je t'aime. C'est un mytho. Attendez. Est-ce qu'il a déjà eu une meuf? Oui, il a déjà eu des meufs. Mais là, il en a pas. Il en a pas. C'est un mytho. Wallah, au nom de Dieu, j'en ai. Serine en 2C. Bref. Oh, calmez-vous. Et qu'on se calme, Je t'aime, mec. Vous, du coup, c'est quoi votre truc le plus fou? Serine en 2C, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Je crois, que j'ai fumé du shit. Moi, j'étais totalement torché. Après, j'ai fait de la trottinette. La trottinette. La soirée, c'est un truc de ouf, hein. Et je me suis mais explosé la gueule par terre en trottinette. Par contre, j'ai vraiment une meuf, hein. Je sais pas si j'ai encore de. Non, j'ai... Bon, si, il y a encore un peu de traces. Mais je me suis vraiment. Moi, je suis tombé de skate aussi. Je me suis tombé sur un homme. Un champignon. Je suis tombé sur le béton. Il s'avérait que le béton, je crois, c'était une meuf. Et c'est une top, non? Mec, ah, t'as fait un saut. Non, mais danser, c'est rien, ça. Je danse tout le temps. Tout le temps, c'est bien. Tout le temps. Mais un truc de ouf, y'a pas vraiment. Ou sinon, un pote ou une pote qui a fait un truc de ouf. Franchement, là, j'ai rien en tête. Ou genre, un mec qui t'a dragué, mais bizarrement, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, j'étais dans le bus. Ah, ouais, c'est un mec qui m'a suivi jusqu'à mon arrêt. Ah, ouais. Tu descends. Bah, je suis parti en garde à vue. Ah, ouais. T'as fait quoi là? Raconte-moi, tu veux. Non. En fait, non, même pas. C'est que, en fait, j'étais avec ma pote et ma pote, elle a volé. Du coup, bah. Elle a volé quoi? Vite fait des petits bonbons? Ouais, non, du maquillage. Ah ouais, ah, c'est vos rages Paris. Ouais. Mais c'est trop dur là-bas, y'a trop de vigiles. J'ai essayé, mais c'est impossible. Hein. Impossible. Ouais, c'est impossible. Attends, j'ai volé du parfum hein, parce que les gens ils vont croire que. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, on va dire qu'ils t'ont pris toi et ta pote en garde à vue et combien de temps environ? 3 heures, je crois. Ah, ça va. Ouais, ça va. Tranquille. Ça va. Mais c'était le truc le plus fou. 3 heures. Même pas environ. C'était longtemps quand même. Parce que moi, j'ai fait une garde à vue de 24 heures avec des gens bizarres dans une cellule. Chaud. C'était chaud, hein. Chaud. Les gens, ils gueulaient pour rien. C'était chaud. Ouais. Ouais. C'est chaud. Parce qu'on avait une arme blanche, mais un jouet, donc voilà. C'est pour ça. Ouais. Remonter. Ouais. Tu vois, le chauffeur le laisser dehors. Ouais. Et rentrer chez moi. C'était un quoi? C'était un daron ou c'était un jeune? 25 ans. Mais vas-y, il était chelou. Ah ouais, attends, le mec, il était vraiment chaud quand il voulait vraiment suivre jusqu'à chez toi carrément. Ouais, ouais. Ok. En tout cas, merci à toi. Hein. De rien. Merci beaucoup. Hein. De quoi? Vraiment, que elles sont bi ou lesbiennes parce que elles aiment pas les hommes en vrai. Si, mais ouais. Moi ça va. Avec moi, c'est tu parais un peu féminin, c'est pour ça? Non, pas du tout. J'ai rigolé, ok. Eh, hey, lui c'est bien. Hein. Et toi, du coup, le truc le plus fou? Moi, j'ai dansé au truc là, au pole dance. Pole dance? Ouais. Oula, t'as fait des trucs comment? Non, j'étais un peu bourré. Ouais. Du coup, j'ai fait des trucs bizarres là. Un micro-minage là? Ouais. Après, ma pote, elle m'a envoyé un vidéo. Ouais. Du coup, j'étais choqué. Alors, je suis hétéro. Et encore une fois, même si les autres ne me croient pas, j'ai vraiment une meuf. Je vous donne. Non, c'est bon, je te crois. T'as une meuf, on dirait qu'en pixel. Ouais, il joue en pex. Ta race. Ouais, Léa pour son cuisine. C'est Serine en 2C. J'espère qu'elle va voir cette vidéo. Comme ça, Inch'Allah, elle commente. Ok, vous bon, Serine. Je vais dire ce. Ah bon, okay. Mon snap c'est Ziad Mohamed. Je suis vraiment hâte de tourner une vidéo avec toi. Ok, donc du coup, les mecs, rajoutez-le. Les meufs, que les meufs. Ouais, que bah les non, mais pas. Je suis pris. Le truc, c'est que. Okay. Eh, franchement, c'est grave un honneur de venir sur ta vidéo. Ah, c'est plaisir. Sûr. Mais waouh, je vais être sur ta vidéo. Ouais. Si je suis pas sur ta vidéo, tu me descends de chez toi. Hein. Ah, carrément. Ah, j'arrive avec un Godmichet, mec. Ah, il a avoué. Il veut m'enculer, hein. Merci d'avoir visionné la vidéo en tout cas. Dites en commentaire les trucs de fou que vous avez fait en soirée, les trucs de ouf. Et si moi je valide, vous allez venir chez moi.